Coucou les petits copains. Coucou Calice, comment ça va? Ça va. Alors enfin nous faisons la vidéo de cette magnifique boîte des Triops de la Terre des Dinos. Des dinosaures avec un gros tricératops. Dessus il y a même un stégosaure, il y a des pteranodons, il y a des triops, parce que tu peux élever des triops. Il y a un tricératops, il y a un volcan. Tu peux créer ton île Jurassirque. Jurassirque. C'est en fait des dinosaures qui font cirque. Voilà, il y avait des clowns dessus. Et des dinosaures qui font rire. Donc crée ton île Jurassirque. Tu déclenches des éruptions volcaniques, tu découvres de fantastiques figurines de dinosaures, tu plantes des graines et tu reconstitues un environnement préhistorique. Et tu fais éclore, alors ça c'est ça aussi qui nous intéresse beaucoup, on le verra dans une prochaine vidéo dans quelques jours, tu fais éclore des œufs de triops et tu les regardes grandir. Donc en fait cette vidéo on va la faire en deux fois, voilà. Dans cette vidéo on va regarder tout ce qu'il y a dans la boîte, voilà, tout ce qu'on peut faire avec. Et puis dans plusieurs jours, ben on verra si tes triops ont grandi. Pour l'instant, on ouvre cette boîte, allez, c'est parti, Calice. Ah, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Hein. C'est là, c'est un peu. C'est toi qui voulais ça. Oh là 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 là. Alors, déjà, il y a une sorte de. Volcan. C'est le volcan, c'est ça, c'est le volcan. Bah, d'abord, je crois que ça, c'est des petites graines. Ah, les figurines des dinosaures, on va les ouvrir, ça. Il y a des seringues pour faire le petit chimiste jurassique. Il y a un tube à essai. Œufs de dinosaures, je crois que c'est ça. Ce sont les triops. Voilà. Est-ce que ce sont des vrais animaux ou pas? J'en sais rien, je sais pas, on va voir. Est-ce que c'est des sortes de poissons qui vivent? Ça, je pense que c'est des sortes de micro-organismes voilà, qui grossissent et qui se nourrissent avec une sorte de plancton. Donc c'est un jeu à partir de 8 ans, ça tombe très bien puisque tu as 8 ans. Alors. Donc voici le dos de la boîte. Tu fais un saut dans le passé et tu reproduis une véritable île jurassique. Plonge-toi dans cet environnement sauvage et donne vie à des luttes féroces entre proies et prédateurs. Ouh, waouh, waouh, waouh. Ah, il y a même des trucs à apprendre. Il n'y a pas que un monde d'emploi. Tu peux apprendre des choses sur les dinosaures, sur la faune, sur la flore, certainement, on va voir. Ah, ça y est, tu as ouvert les dinos. Dinosaures. Dinosaures. Donc nous avons un magnifique T-Rex. Lui c'est le stégosaure je crois, le Triceratops. Et comment il s'appelle lui, celui qui a la queue qui... Boum. Mais attention, le T-Rex est plus... Ah c'est un ankylosaure peut-être, oui t'as raison, bravo. Alors regarde le mode d'emploi. Attention, ne convient pas au moins aux enfants de moins de 80 ans. D'accord. What? Non, je... 8 ans. Règle de sécurité. Bon, ça, on le lira tranquillou. Donc, ton île jurassique, ça explique comment mettre les éléments avec le petit volcan, avec la cuve pour l'eau. Les habitants aquatiques, d'accord. On demande à un adulte de te procurer quelques litres d'eau déminéralisée. Donc, tu vois, puisqu'il ne faut même pas mettre de l'eau du robinet. Mettre de l'eau qui a été un petit peu lavée de ses impuretés, de ses minéraux, de tout ce qui est calcaire et compagnie. Donc, on achètera une petite bouteille en grande surface. Hein, ça se trouve très très bien. C'est ce qu'on met généralement dans les fer à repasser. Attention, avant de mettre les œufs de triops, vérifie la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre. Tout ça, il faut faire les choses bien. Donc, on ne va pas le faire dans la vidéo maintenant. Comment mettre les œufs de triops dans l'eau? Les œufs ne sont pas comestibles. Il ne faut pas les manger. Et ils sont microscopiques, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. Ils sont contenus dans un sachet avec les détritus. Donc c'est ça en fait qu'on voit. Ce qui est marrant, c'est les détritus, ce ne sont pas les œufs. C'est ça ? Non, ça je pense que c'est même pas les détritus, ça. Ça doit être, les détritus ils sont carrément à l'intérieur du sachet orange. Et donc c'est les détritus qui créent dans l'eau un milieu idéal pour les triops et les nourrit durant leurs premiers jours. Et il ne faut pas donner de nourriture avant l'éclosion des œufs. On les met dans l'eau déminéralisée à la bonne température et on ne touche à rien. Et normalement, ça marche. Si un peu du contenu est resté collé aux parois de la cuve, vaporisez un peu d'eau déminéralisée avec la pipette. Et donc pas avec le doigt. Parce que le doigt a forcément des microbes. On a tous des microbes sur nous, c'est normal. Mais il ne faut pas mettre de microbes dans l'eau parce qu'un élément microscopique, eh bien un microbe, c'est aussi gros que lui. C'est comme si tu avais un microbe qui était aussi gros que toi. Qui faisait 1m20 et proum, qui se battait avec toi. T'as peu de chance de gagner. Ouais. Les triops apparaîtront comme des petits points clairs que tu pourras voir avec une lumière rasante ou à travers une loupe que tu peux trouver chez toi. Ah oui, on a une loupe. On a la loupe... C'est pas sorcier. Oui, c'est ça, la loupe c'est pas sorcier. Bravo Calice, cliquez sur le petit en haut à droite. Si vous voulez voir cette loupe, c'est pas sorcier. D'accord. Alors à part les triops, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, donc là le volcan. Donc le volcan, pour des raisons de sécurité, le bicarbonate de soude n'est pas fourni dans le kit. Donc ça, pareil, il faut l'acheter en plus. Et puis les premières forêts. Alors les premières forêts, au Jurassique, le climat était doux, il pleuvait probablement souvent. Donc il y a des graines en fait pour faire pousser un petit peu d'herbe ici.
Voilà, donc on va faire les triops, les petits brins d'herbe et le petit volcan. Et on montrera tout ça dans une prochaine vidéo. Parce qu'il y a du boulot là quand même, hein. Il y a du boulot. Tu vas bien lire tout ça. Et si tu veux, je vais te laisser faire toute seule. Oui. Déjà, on va acheter tout ce qu'il faut en grande surface. Eh bien, en tout cas, ce qui est intéressant dans cette vidéo déjà, c'était de voir les petites figurines, tout ce qu'on pouvait faire avec cette boîte. Voilà, tu as bien mis le volcan dessus avec la petite cuve. Là, les triops seront là. Et là, on mettra les graines avec les herbes. Ça poussera ici. Et ici, ça sera joli, et ici aussi peut-être. Là, ça sera une vraie île jurassique avec des dinosaures qui se déguisent en clowns. Voilà, on a un tube à essai. Il y a la clé ici qui permet d'ouvrir le tube à essai. Des petits ustensiles pour les triops, pour les graines. Les pipettes, ça c'est pour nettoyer le bord de la cuve. Il y a aussi un petit peu de chimie en fait, hein, voilà, tu vas apprendre à manipuler tous les ustensiles. Donc ce que je te propose, Calice, eh bien, c'est de faire ça tranquillou. On va mettre ça en place, on va acheter les éléments. Et puis dans quelques jours, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et on vous montrera l'île verdoyante avec des petits triops qui se baladent dans l'eau. Et donc on va voir le résultat dans quelques jours. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains, Calice? Au revoir. Et surtout, abonnez-vous. Et laissez des petits commentaires. Et des petits pouces bleus. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir les triops. Et pour Calice et pour Tina, un gros chocolat. C'est bon le chocolat. C'est tout mouillé. Ça te fait rire? Ouais. Et en fait, chaque petit morceau microscopique va donner un œuf. Oui. What, on va mais je sais pas combien il y a d'œufs à l'intérieur. On les voit pas, les petits œufs à l'œil nu. Donc est-ce qu'il y en a 5, 10, 20, je ne sais pas.